Salut à tous, c'est Fripon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de vos niveaux sur Super Mario Maker. Alors déjà, je vous souhaite un bon réveillon, une bonne année, parce que si je réussis bien mon coup, la vidéo sera disponible à minuit le 1er janvier. Ou à 23h59 le 31 décembre, au choix. Donc ça fait longtemps que j'avais pas fait d'épisode, parce que je m'étais plus concentré sur la partie création du jeu. Mais donc on va reprendre. Alors sachez que j'avais déjà essayé de tourner un épisode il y a pas mal de temps, sauf que j'ai perdu pas mal de fichiers. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer un niveau que j'avais fait il y a 3 semaines, et ensuite on se retrouvera pour faire les autres niveaux que je n'ai pas pu récupérer. Donc je vous dis à tout de suite. Donc ce qui me permet de présenter Lonan, qui propose Trolls Everywhere. J'en ai marre des trolls. Quand est-ce que vous allez comprendre que les trolls, c'est pas drôle? Désolé, je ne manque pas de respect envers les personnes qui font ces niveaux. On va découvrir ça tout de suite et on est parti. Trolls Everywhere, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu niveau troll, ceci dit. Donc c'est plutôt régulier. Est-ce qu'on n'a pas un bloc caché? Oh 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 oh. Ouh, ça c'est pas mal ça par contre. Hein. Allez, on trace. On trace. Hop. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois monter en haut. Ok. Alors attends. Ok. Ah non. Ah, faut peut-être passer par un tuyau alors. Ah ok. J'aurais peut-être pas dû prendre le premier. Bim. Ah mince, ça marche pas. Ça ne marche pas. J'ai eu chaud là, j'ai failli me faire toucher. Je sais pas comment j'ai fait pour What? Oh non, c'est foutu. Oh, quelle défaite. Ah, quoique. Non, je peux l'avoir je crois. J'ai pas besoin du truc. Ah, quoique, non, ça me paraît difficile. Hein. Ça me paraît très compliqué. Je crois que je vais devoir mourir. C'est triste, mais c'est ainsi. Ouais. Et cette fois-ci, je prends... Je prends le trampoline. Et là, je crois que je t'ai eu, là. Hein. T'avais pas prévu que je fasse ça, hein. Ça faisait pas partie du plan, ça, hein. Ok, c'est bon. Super, donc pour l'instant c'est pas si trollesque que ça. Hein. À part que, en fait je me suis trompé. À part que ce n'était pas là, alors c'est peut-être en haut. Ouais, à mon avis c'est certainement en haut. Ça aussi c'est du troll ça. Parce que du coup, je suis obligé de prendre le champi pour passer ici. Allez, on tapote. Impossible que ce soit là. Trop ridicule comme passage. Oh si c'est ça. Comme quoi, faut pas se fier à la gueule des passages. On va passer par le tuyau d'en haut. Par contre, je pense que j'ai avoir besoin du... C'est pas grave, je m'en fous totalement. Je vais avoir besoin certainement du trampoline. S'il est là, c'est pas pour rien. Oh là 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 là. Mais en fait, c'est que du hasard ton truc, hein. Pour la peine, je vais prendre la dernière. Ça t'apprendra. Waouh. Alors, je prends la deuxième. C'est pas celle-là. Oh.
Le problème, c'est qu'on n'a pas d'indication sonore. On n'a pas l'espèce de petite ampoule. Et pour l'instant, ça n'a pas l'air trop mal. Hein. Ça n'a pas l'air trop mal, tiens. Alors, on va attendre que le coupa remonte pour avoir le plus de hauteur possible. Et on va y aller. C'est parti! Ça me paraît pas mal. Not bad. Not bad. Not bad. Oh! Je pense que j'ai eu plutôt pas mal de chance. Dans le sens où j'ai pris les bons passages assez rapidement. Et finalement, pas tant de trolls que ça. Hein. Franchement, t'as été super sympa, Nolan. Et rien que pour ça, une petite étoile. Merci de l'avoir partagé. Allez, on se retrouve dans le présent et on va enchaîner avec un niveau d'Astorion qui m'avait proposé retour dans le temps easy. Mais je vois qu'il a fait aussi retour dans le temps hardcore que j'ai testé un petit peu. Et je vois que c'est exactement le même principe en plus intéressant parce qu'il y a moins de temps mort. Donc je vais directement faire le hardcore. 2,20% de réussite, on est parti. Vous allez voir vraiment concept très intéressant. Vous allez vite comprendre. Pour l'instant, je vous dis rien, je vous laisse deviner. Donc là, regardez, je ne peux pas passer ici pour l'instant. On va esquiver ce petit bonhomme, ce Eris. Là, il y a un champignon. Et je prends la porte. Hop, je réapparais au début. Et cette fois-ci, je peux passer. Vous avez compris l'idée, en fait, la porte symbolise le voyage dans le temps. Oh, je me suis fait avoir. Et en plus, je crois que j'en ai encore besoin. Parfait, ça commence très bien. Ok, j'ai réussi à m'en sortir cette fois-ci. Faut être vigilant. Le problème avec ce niveau, c'est que t'as pas le droit à l'erreur. Hein. Vraiment, il n'y a pas de checkpoint. Donc là, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est hop, activer tout ça. Voilà, comme ça. Hop. Allez, je vais directement passer ici. Pas besoin de voyager dans le temps pour prendre la fleur. Ensuite, cette fois-ci, je peux tuer les piranhas avec ma fleur. Comme ça. Ok, on sait pas voir. Et voilà. Et donc, à chaque fois, il y aura des épreuves comme ça. Il faut d'abord, dans un premier temps, récupérer l'objet qui te permettra ensuite de repasser le même passage, mais cette fois-ci de débloquer la situation. C'est vraiment intéressant, hein. Je crois que ça a été repris d'un concept qui existait déjà, par un américain, il me semble. Donc là, vous avez vu, il y avait des blocs tout à l'heure. J'active le P-Switch. Et hop. Ce qui va me permettre maintenant d'avoir l'hélico. Enfin, l'hélice. Donc là, je crois que j'ai trouvé un petit défaut, c'est que l'hélice, je pense que c'est pour passer ce passage, mais si je fais un wall jump, ça passe aussi. Donc l'hélice n'était pas indispensable. Bon, ce sera à fixer, mais ça se trouve, je me trompe. Hein. Donc là, il y a une étoile, je vais essayer de gruger. Hein. Je vous conseille pas de le faire, mais si vous êtes assez rapide, c'est possible de gruger. Par exemple, là, j'ai fait comme ça, et du coup, même pas besoin de remonter dans le temps, je peux passer direct. Mais ça, c'est possible que si on connaît déjà le niveau. Hein. Je vais vous montrer où je suis mort. Mais j'estime que on est obligé de mourir la première fois. Alors là, le petit Yoshi va nous permettre de passer au-dessus des moules. Des espèces de moules, je crois que ça s'appelle des Nyaki. Hein. Je suis pas sûr, faut que je m'en renseigne. Ces moules, ça s'appelle des Nyaki. D'ailleurs là, je suis en train de manger les pièces parce que c'est pas mal les pièces. Hein. Les moules aussi, c'est pas mal, sauf que je peux pas. Dommage. Ensuite là, vous voyez qu'il y a des... Je sais pas si vous avez vu des tombes à droite. Voilà. Donc à votre avis, qu'est-ce qu'il va falloir pour passer ces tombes? Un casque, tout à fait. Là, je peux pas gruger. Est-ce que je peux manger ça? Non, je peux pas. Ok. Maintenant, on peut passer les tombes. Faut faire gaffe de pas perdre le masque quand même. Donc on va y aller tranquillement. On va pas se précipiter. Oh, par contre, waouh, le Kamek, il va me ruiner la vie. Ah, il va me ruiner la vie, ce Kamek. Oh non, t'es pas sérieux. Ah, j'ai cru que le tombe allait l'écraser. Vite! Oh, c'est horrible, j'aurais dû le tuer. J'aurais dû le tuer. Allez, dégage. Horrible ce Kamek. Ok, ça y est, il s'est barré. Merci bien. Ok, cette fois-ci, autre chose. Vous avez vu qu'il y avait des blocs tout à l'heure. Oula, est-ce que je fais bien d'attendre? C'est bon, ça va. Ah non, il faut que je fasse ça en fait. Il faut que je me fasse toucher. Comme ça, je peux ensuite prendre le casque. Waouh! Et vous voyez que la première fois c'est tendu, on pense pas forcément à faire tout ça. En tout cas pas aussi rapidement. Et du coup voilà, là je peux passer, casser les blocs qui bloquaient l'accès. Je me demande si j'aurai assez de temps pour finir parce que le niveau a l'air très long. Je suis mort un peu plus loin mais je sais pas si c'était vers la fin. Alors là, je vous laisse deviner ce qu'il va y avoir. Forcément on a des pièces.
qui trace un chemin. Faut juste pas que je perde le casque. J'ai l'impression qu'il faut rien perdre en fait, parce que ça va nous servir plus tard ce qu'on a. Allez hop, dégagez. C'est exactement pareil que le mode easy, sauf qu'il y a des ennemis un peu plus redoutables entre les séquences. Et du coup il y a moins de temps mort, donc c'est plus intéressant. Même si c'est du coup un peu plus dur. Ok, on va attendre un petit peu, on prend notre temps. Waouh, je me fous des coups de pression. C'est là que je suis mort une première fois en fait. Parce que tu vois, je vois une piranha, je la bouffe. Et genre, je l'avale. Hein. C'est-à-dire que je l'ai plus dans ma bouche. Et il ne fallait pas que je l'avale. Parce que regardez ce qu'il va y avoir plus tard. Voilà. Ça. Et si je fais pas exploser la bombe avec les flammes que j'ai rejetées, j'étais bloqué. Ça, je pense que... Il y a beaucoup de chances qu'on meure la première fois. On s'y entend pas forcément. Alors là, si je sprint, est-ce que ça passe? Ouais, ça passe. Ok, tranquille. Je suis mort juste après. Je crois que c'était avec Bowser Jr. On prend notre temps. Le scrolling est un peu trop lent. Remarque, s'il était rapide, je pense qu'on n'arriverait pas à suivre. Ah ouais, donc là en fait il y a une zone secondaire. Ouais. Voilà, c'est là que je me suis fait avoir parce que le Bowser Jr., je l'ai vu, je l'ai directement tué quoi. Non, reviens Yoshi, j'ai besoin de toi. Je l'ai directement tué pensant qu'il serait là juste pour nous gêner. Et en fait non, il faut pas le tuer. Il faut le laisser en vie parce qu'il va nous servir plus tard. Ah mince mince mince. Il faut que tu reviennes Yoshi, hein. J'ai besoin de toi. Sans toi je vais un peu galérer, merci. Tu me permets de... Voilà. Vous voyez que Bowser Jr. faut qu'il casse en fait ce bloc. Et allez casse-le. Qu'est-ce que tu fous? Allez hop, viens ici, casse-le. J'ai bien cru que j'allais crever. Ah bah j'ai plus Yoshi. Oh, si j'ai besoin de Yoshi, je pleure hein. Parce que là, la suite, je l'ai pas fait. Hein. Bon, je découvre avec vous cette fois-ci. Hein. Allez, casse ça. Oula, c'est tendu. Hein. C'est quand même tendu cette histoire. Hein. Allez, viens ici, casse ça. Casse ça, allez, fais-toi plaisir. C'est bien. C'est pas fini. Hein. En bas, il y a des trucs aussi. Ok. Qu'est-ce qui nous attend? J'ai peur là. Parce qu'il n'y a pas de checkpoint, ça, faut le remarquer. What? Vous voyez? Si j'avais pas gardé mon hélico, je serais foutu, hein. Oh la vache. Il blague pas ce niveau, hein. Mais vous avez compris l'idée qui est au cœur de ce niveau et qui est bien sympathique. Il y a quelques trucs à régler. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment bien construit. Donc, merci à Astorion de l'avoir proposé. On passe à Deg Coops qui propose Coopstruction. Alors, vous pouvez voir que j'ai déjà testé le niveau il y a 2-3 semaines, mais que je n'avais pas réussi à le terminer parce que j'étais coincé. Mais entre temps j'ai réussi à me débloquer et à partir de là je suis pas allé plus loin, donc on va voir tout ça. Sinon il avait dit quoi sur le niveau? J'ai mis 2 semaines pour le créer, 2 checkpoints et un boss. Moi qui le connais très bien, j'arrive à le terminer en 2-3 essais assez facilement. Mais apparemment pour les autres il est vraiment dur. Il y a une petite énigme générale à résoudre dans ce level, pas bien compliqué à comprendre. J'ai passé ce niveau au peigne fin pour le rendre jouable, joli, fun et assez difficile malgré tout. Surtout il est long. Ok, alors on est parti. Vous voyez d'ailleurs que, effectivement, pour les autres, ça a l'air assez dur. 0% de réussite. C'est vrai qu'il est pas simple. En fait, moi, j'étais bloqué à l'énigme. Alors, ça fait un peu longtemps, mais je vais vite me rappeler. Donc là, déjà, je crois qu'il faut vite courir. Voilà, parce que regardez, il faut directement, en fait, sauter sur cela. Et si tu perds du temps, t'es foutu, quoi. Ensuite, il avait écrit Deg au... Je me fais avoir par le tromp. Il avait écrit Deg en pièces. Je sais pas si vous aviez vu. Ok, ça commence très bien. Vous voyez que je suis pas le seul à mourir ici. Hein. Alors il faut sauter vraiment à la dernière minute. Ah! Au pire, je fais une pirouette. Hein. Je fais une pirouette. Ok, ça passe. Il a écrit Deg en pièces. Et bah écoute, on va voir si je vais être Deg ou pas. Donc là, je feinte. Le tronc peut aller super vite ici parce que vous allez voir. Le nuage dure pas très très longtemps. Et en plus, il faut passer ici. C'était chaud. Ensuite, on feinte le tronc. On fait comme ça, on refeinte, et là, on saute. C'était limite, hein. Alors, si je me rappelle bien, ici, on a un champignon. Et dans ces deux blocs, on a deux lianes, parce qu'il y a deux passages, en fait. Il y a un passage qui va vers la gauche et un passage qui va vers la droite. Je vais commencer par le passage vers la droite, ce qui va me permettre de montrer la faille de ton niveau. Si tu regardes cette vidéo... Alors, attendez. On va faire comme ça. Parce que je vais vous expliquer, en fait, c'était quoi l'énigme, hein.
Alors, on va passer comme ça. Parce qu'il faut pas perdre le champignon si possible. Donc déjà, je vois qu'il y a des buzzers. Il y en a même deux parce que un buzzer qui tire deux flammes comme ça, je crois pas que ça existe. Bref, donc on va passer par là. Si je me rappelle bien. Ah, c'est ça. Ah, calmos. Là, va y avoir un casque. Parfait. Donc pour l'instant, c'est juste de la plateforme, hein. Il n'y a pas d'énigme. On va faire gaffe à ça. Voilà. Et donc là, voilà. C'est grâce à ça qu'on peut détruire le petit bloc ici. Je pense que ça sert à rien d'être grand, en fait. Je me complique la tâche à être grand. J'aurais pas dû être grand. J'aurais pas dû être grand, mais par contre, il faut absolument que je garde... comment dire, le casque. Alors attendez, c'est un peu fastidieux ce que je fais, mais vous allez voir que ça va servir. Hop, donc là il faut que je reprenne. Ouf, j'ai failli crever. Le casque en étant petit, ça aura toute son importance. Alors là je montre directement la faille pour que le créateur comprenne comment arranger ça, hein. Sinon c'est pas du tout mon genre de feinter le niveau. Ok. Hop là. Ok, on y retourne. Donc là, mais qu'est-ce que je fous, Mario. Désolé, hein, ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait vos niveaux. Enfin, j'en ai fait quelques-uns entre temps, mais c'est vrai qu'en commentant, c'est complètement différent. Ok, on fait comme ça. Hop. Est-ce que tu vas réussir, Mario? Tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire. Tu peux le faire. Au fond de toi, tu peux. Oui, bravo. Voilà, parfait. Alors là, lui, tranquille. Alors, c'est là l'astuce. Vous voyez que là, il y a une flèche qui me dit d'aller vers la droite. Donc, en fait, ce qu'il faut faire... c'est activer le bloc que vous voyez en haut. Il y aura une bombe qui va sortir. Et qui va exploser une partie de ces blocs. Ensuite, je retourne à droite. Je reviens sur mes pas. Et ensuite, je prends la liane de gauche. Vous avez dit, à un moment, il y a deux lianes. Un passage pour la gauche et un autre pour la droite. Je passe par la liane de gauche qui va me permettre d'arriver... par ici, à gauche, d'activer le bloc surprise qui va finir de péter ces blocs là. Et moi j'ai trouvé une faille parce que si je fais comme ça, regardez bien, je fais comme ça, ok. Hop, qu'est-ce qui se passe? Attendez, je réfléchis. Et si je fais comme ça, et si je les casse, parce que normalement il a fait ça pour que je puisse pas gruger et que je sois obligé de passer ensuite par le chemin de gauche. Enfin, c'est assez compliqué à comprendre. Et à partir de là, maintenant. Pour activer le bloc, j'ai juste à perdre, hop, mon casque. Je fais comme ça. Regardez. Il va le bloquer. Il va exploser le bloc. Et lui, pareil. Sans que j'ai eu à passer par le chemin de gauche. Oh, j'ai failli me faire avoir. Donc voilà la faille. Mais sinon, l'énigme était bien pensée, même si je l'ai pas compris du premier coup. Hein. Et je pense que beaucoup ne l'ont pas compris, malheureusement. Du coup, là, voilà, j'ai le... checkpoint avec la brique. Je me suis arrêté là, je suis pas allé plus loin, donc je sais pas du tout ce qui va se passer maintenant. Enfin, je vois que déjà à gauche... Oula, qu'est-ce qu'il fout le... Ça y est, il va me tuer le fantôme. attends. Je vais le faire repop où il était au début. Ok, donc j'active le P-switch et je vais aller à gauche directement. On va faire comme ça. Ah mince, c'est pas grave. Tant pis. Tant pis, j'ai été mauvais. Alors là, je vois un bloc ici. Peut-être un bloc caché maintenant. Ah non, ok. Ah, ça c'est pas mal. Et par contre, je vois qu'il y a une flamme qui vient de la droite. J'ai même vu le pont en fait de la fin du niveau à droite. Donc j'aurais peut-être pu gruger en fait. Hein. Je crois que ça va me ramener là où en fait il y avait le tuyau, c'est ça. Mais je crois que j'aurais pu gruger. Hein. Je sais pas. C'est pas grave, j'ai assez grugé comme ça. On va pas gruger encore davantage. Ok, donc là, c'est plutôt de la plateforme. Ok. Oui, c'est bon. Concentration, hein. J'ai pas envie de tout refaire. Ceci dit, il y a le checkpoint, ça c'est cool. Oui, j'attends. J'attends que tu arrives. J'attends que la flamme apparaisse, même si j'étais parti pour y aller. Ok, d'accord. Pas prendre de risques. Hop, on va laisser le Goomba passer. Je pense honnêtement que les gens ont été coincés à l'énigme. Parce que c'est vrai que c'est pas évident, moi j'ai été bloqué quand même très longtemps. Non, mince, je l'ai pas vu, horrible. Ok, je
Je m'étais concentré. Ok, c'est passé. Je fais gaffe cette fois-ci, je prends mon temps. Parce que clairement, c'est juste une question de patience. Hein. Alors là, il y a besoin d'un champignon. Ah non, ok, P-Switch. Alors attendez, attendez, attendez. C'est Goomba, on va attendre qu'il passe. Waouh! Ouh, j'avais pas prévu ça, tu vois. Comment je fais? Bon, déjà, je vais avoir le checkpoint, c'est sûr. Faut que je me fasse toucher. C'est bizarre, ça, par contre. Hein. Je crois qu'on était obligé de se faire toucher, peut-être. Hein. Ok, donc là, on a Bowser. Un champignon, ça, c'est cool. Ok, déjà, il faut faire exploser les bombes. Mais avec le champignon, ça va le faire. Non, ça va pas le faire. Mais ça va, il a été cool parce qu'il a mis un checkpoint juste avant. Mais il y a des bonnes idées hein, dans son niveau. Franchement, il y a des bonnes idées. Hein. C'est dommage qu'il y ait eu cette faille. Sinon, j'avais compris l'énigme hein, de manière générale. Mais j'ai mis du temps pour la comprendre. Hein, vraiment, c'est peut-être pas assez explicite. Même si avec les flèches, on pouvait le comprendre. Hein. Alors, allez, on va tout péter là. Et si je peux avoir une petite fleur par la même occasion, ce serait pas de refus. Hop, je crois que je vais en avoir une là. Voilà. Oh non, c'est dommage parce que comme ça j'aurais pu faire la fête à Bowser. Comment il m'a eu là? Hop! Allez, dégage! Ah non, il m'a bloqué. Ok, bah écoutez, hein, on va tout péter. Y'a que ça à faire. J'aimerais bien péter quand même Bowser. Parce qu'il me fatigue la vie. Oui, là je vais l'avoir. Ah ouais. T'as foiré avec ton attaque, t'aurais pas dû la faire à ce moment-là. Et attends, attends, faut pas que je me coince non plus. Ce serait la défaite ultime, ça. Ok. Oula, très très laborieux pour avoir cette hache. Et voilà, on l'a fini. Niveau plateforme, le niveau était pas très très difficile. Mais comme j'ai dit, surtout les énigmes. Plutôt l'énigme qui a dû coincer la plupart des personnes qui ont essayé ce niveau. Donc, j'ai la première réussite et le record du monde. Parfait. Hop, une étoile en espérant que ça a pu t'aider pour l'améliorer par la suite. Et donc, merci de l'avoir proposé. On enchaîne avec un niveau de Blacky qui s'appelle Are You Shinichi Kudo. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur ce niveau ? Bonjour, j'ai découvert tes vidéos récemment. J'adore la qualité de l'image, du son, des montages et des commentaires. Ça change des autres youtubeurs de Mario Maker. Continue comme ça. Merci beaucoup, Blacky. Si tu as le temps de tester mon niveau puzzle, le titre est inspiré de Détective Conan. Bon courage et bonne réflexion. Ok, donc ok, je savais pas c'était quoi la référence, donc c'est Détective Conan. J'ai lu un tome de Détective Conan, c'était vraiment pas mal. Mais c'est vrai que la série est vraiment très très longue, du coup j'ai pas le courage de m'y plonger. Mais du coup, Détective Conan, ça porte bien son nom, puisqu'il doit résoudre des énigmes. Donc on est parti. Je vois que le record du monde était très rapide. Alors, qu'est-ce qu'on a? Y a un P-Switch ici. Qu'on peut pas avoir pour l'instant, mais je pense qu'il y aura Yoshi parce que je vois des moules. On va déjà voir ce qu'il y a ici. Un pot et une bombe. Mince! La bombe, je crois qu'elle aurait dû péter. Ah! La bombe aurait dû péter certainement. Qu'est-ce qu'elle aurait dû péter la bombe? Tiens. C'est une bonne question ça. Qu'est-ce que la bombe aurait dû péter? Je pense que le pot va servir. Allez Mario, tu peux le faire. Allez, détective Conan. Le pot va servir à faire comme ça. Et comme ça, du coup, je peux activer ça. Et là, on a Yoshi. Quand j'ai Yoshi, je peux ensuite... je peux prendre le P-Switch si je fais exploser les blocs avec la bombe. Ok, c'est ce qu'on va faire. On va recommencer. Voilà, faut prendre son temps. Hein. Je m'améliore petit à petit en énigme. Donc là, on a le pot, c'est ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà prendre le pot. Comme ça, ce sera fait. Qu'on va mettre ici. Et ensuite, j'active la bombe. Allez, allez, grouille. Hop, hop, hop. Mince, c'était pas prévu, ça. Non, faut pas que je mette le pot. Ok, ok. Donc, j'active directement la bombe.
le pot, on le fera dans un deuxième temps. Voilà, c'est à peu près comme ça. Ah ben non, parce que regardez, je peux plus poser le pot maintenant sur, sur le bloc. Donc faut que je jette moins loin que ça. Ok, ok. Où est-ce que je le jette? Où est-ce que je le jette? C'est tendu, hein. Faut être précis, en fait. Là, c'est pas suffisant, là. Je devrais pas le jeter, en fait. Faut que je le prenne avec moi. Donc, tu vas me faire le plaisir de venir avec moi. Oui, c'était parfait, ça. On n'aurait pas pu faire mieux. Ok, ok, parfait. Donc là, on se foire pas, parce que j'ai pas envie de refaire cette manipulation délicate. Hop. Donc là, j'ai Yoshi, ok. Pas de souci. On fait comme ça. Donc là, ensuite. Ensuite, si j'active le P-Switch, ces pièces vont devenir des blocs. Donc, faut que je les désactive. On va faire comme ça. Ensuite, avec le pot. Ah non, avec le pot, en fait, je lance le pot et ça va détruire toutes les pièces. Regardez. Si je fais comme ça. Et du coup, j'active. Ah mais non, j'aurais pas dû parce que je peux plus remonter maintenant. Mais non, j'aurais... Attends, comment c'est possible alors? Ouais, je peux plus monter. Ah ça, c'est marrant ça. Je ne peux plus remonter. Comment j'étais censé faire? Comment je suis censé prendre... Attends, attends, il y a un truc que j'ai pas compris, les gars. Il y a un truc que j'ai pas compris, là. Je peux pas remonter, on est d'accord. Il fallait peut-être que je détruise, en fait... ce bloc-là. Ces blocs-là, en fait, regardez. Ici. Il fallait peut-être que je les détruise. Comme ça, après, je peux passer avec Yoshi. Je passe comme ça. Mais du coup, comment je fais pour avoir le P-Switch? C'est ça, la question. Je peux pas l'avoir d'ici. Oh, c'est tendu, pour le coup, hein. Bon, j'active le P-Switch. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, je veux bien, mais de toute façon, je suis coincé, hein. Il faut pas que je prenne les pièces ici. Ok, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Ah, ok. Rien n'est mis au hasard. Hein. Rien n'est mis au hasard. Ok, on va refaire. Parce que regardez, les pièces là vont devenir des blocs quand j'activerai le P-Switch. On est d'accord. Bon, finalement, c'est pas ces blocs là qu'il faut détruire. C'est bien ceux qui sont près du P-Switch. On va essayer de recasser ça correctement. Ah ouais, mais c'est tendu! Là, je crois que ça passe. Ouais, ça doit passer. Je pense que Yoshi a la langue assez longue. Bon, on y retourne. Je fais gaffe de ne pas prendre les pièces qui sont au-dessus. Ça, c'est important. Encore si je prends celle-là, c'est pas très grave. Hein. C'est pas très grave. C'est surtout les autres qu'il faut pas prendre. Par contre, celle-là... Celle-là, faut que je la prenne, celle-là, parce que... Ouais, sinon, ça va m'empêcher de monter. Sinon, ça va m'empêcher de monter. Donc là, je passe par là. Oui, je savais que tu pouvais le faire, Yoshi. Donc là, attendez, il faut réfléchir quand même. Parce que, regardez. Ce qui va se passer, c'est que... Si j'active le P-Switch, les pièces là qui sont à droite vont devenir des blocs. Et je serai quand même coincé. Donc, il faut que je prenne... Il faut que je prenne le pot. Que j'active ça. Allez! Et là, quand j'active, je fais comme ça. Et du coup, là, c'est bon. Voilà, j'ai enlevé les pièces qui étaient en bas. Parce que le pot, en fait, fait tomber toutes les pièces. Hey, pas mal, hein? Vraiment sympa, cette énigme. Je sais pas si je l'ai passé comme tu l'entendais. Mais en tout cas, c'était vraiment intéressant. Je sais pas si vous aviez trouvé la solution avant moi. C'est possible. Mais comme je vous dis, en commentant, c'est vrai que... On a tendance
à réfléchir un peu moins vite. Ok, merci Blacky de l'avoir proposé, c'était très sympa. On va donc s'arrêter là pour vos niveaux. Merci de les avoir proposés, c'était encore une fois très intéressant avec des bons concepts. Et d'ailleurs, c'est grâce à vos niveaux que je me suis amélioré en création de niveaux, hein. Pour ma part, c'est comme ça, parce que je m'inspire un petit peu des concepts que je vois à gauche à droite, de la façon dont les niveaux sont construits, le level design, tout ça. Et ça m'a beaucoup aidé pour créer mes propres niveaux. Et donc, merci pour ça, merci à vous. Petite information, là je compte enchaîner et tourner un autre épisode que je publierai dans une dizaine de jours. Parce que après, sachez que j'aurai beaucoup beaucoup de travail et du coup je ne pourrai pas tourner de vidéo avant au moins le 18 janvier. Donc là je vais tourner un épisode que je vous mettrai dans voilà, un peu plus d'une semaine, histoire d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Et puis après je reprendrai vraiment les vidéos. Vers la mi-janvier. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour la suite. Bonne année, prenez de bonnes résolutions. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.